Pourquoi sommes-nous si fatigués actuellement? Voilà, ça c'est la question qu'on me pose. Pourquoi sommes-nous si fatigués actuellement? Ben, je vais vous donner la réponse. La réponse, elle est très très simple et vous allez comprendre. Il suffit de connaître les vraies lois, les lois quantiques, c'est-à-dire ce qui compose ce que nous sommes, à savoir cette matière qui n'est que relative. Alors, je vais pas faire 3 heures, mais juste. Ça va vraiment vous permettre de comprendre pourquoi vous êtes fatigués tous actuellement. Et c'est ce qui revient pas mal dans les commentaires. J'écoute pas mal. Enfin, voilà, je lis pas mal de choses. Donc, il faut comprendre simplement que la Terre, elle est faite d'une manière tout à fait conforme aux lois de l'univers. Et que dans ces lois, tout est onde et énergie. Donc, cette Terre n'est qu'une, que je dirais, qu'un champ d'ondes et d'énergie, et que la matière est relative. La matière, elle n'est caractérisée que par la conscience humaine. Donc, d'ailleurs, c'est théorisé, enfin, dans E égale MC2, il y a cette notion de matière et d'énergie, je dirais, de lien fort entre les deux, mais il n'est pas poussé, puisque après, ça allait beaucoup plus loin dans cette notion-là, et c'est ce qu'on appelle la physique quantique. Einstein n'a pas voulu pousser plus loin. Donc, comment on arrive à palper la matière? Ben, on arrive à palper la matière, on voit une table, notre doigt va sur la matière, touche la matière, le système nerveux donne une impulsion au cerveau, donc c'est un courant électrique qui est lui-même de l'énergie, qui va transformer cette énergie en signal qui caractérisera la matière. Voilà, c'est des ondes, des énergies qui, selon les fréquences, vont vous donner telle et telle impression. Pareil pour la parole. La parole n'existe pas en tant que telle. Elle est je dirais, une concrétisation d'ondes par le cerveau qui l'interprète en parole. Mais au départ, c'est qu'une fréquence. Donc voilà, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que dans la matière qui est créée par la conscience humaine, on a des outils pour interpréter ce que les ondes vont émettre. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'être dans la matière. Bon, donc ça c'est un principe très simple. Enfin, très simple. À partir de ce moment-là, pourquoi vous êtes fatigué? Ben, c'est pas compliqué, tout est énergie, tout est onde. La Sainte Trinité du quantique, c'est pensée, émotion égale croyance. Pensée, émotion égale croyance. Les croyances sont imbriquées dans la conscience. Voilà. Actuellement, les événements, les guerres, ce qui se passe en Chine, je vais en reparler, c'est très important, sont en train de faire baisser la conscience humaine, puisque la Terre s'élève en conscience, s'élève en fréquence de manière incroyable, et je dirais, il n'y a pas d'autre possibilité pour ceux qui nous manipulent que de manipuler les consciences, pour essayer de contrecarrer ce grand éveil. C'est ce qui se passe, c'est un grand éveil. Donc, il y a une lutte actuellement entre ce que la nature va nous imposer de manière salutaire, donc une montée en conscience, et surtout un recul, et puis ce que les élites font. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a cette guerre en Ukraine, il y a ce qui se passe à Shanghai, par exemple. Ça, c'est à creuser. Est-ce qu'il se passe vraiment ce qui s'y passe? Parce que voilà, c'est quand même 25 millions de personnes qui sont prisonnières d'une ville. Donc, 25 millions de personnes qui envoient dans l'égrégore un niveau de conscience catastrophique, une peur. Si c'est propagé à 1,5 milliard de Chinois qui doivent voir les images, c'est 1 milliard. 1,5 milliard de Chinois qui, vous voyez, qui pensent tous négatifs. Donc, nous, on dépend de cette conscience, je dirais, mondiale. Nous-mêmes sommes attaqués. Donc, ce qui fait que ben, quand on va puiser dans cette source d'énergie, quand nous sommes cette énergie, nous sommes une part de cette énergie, et ben, si on est une part de cette énergie, actuellement, elle est basse. Hein, parce que des milliards d'êtres humains pensent ce qu'on leur dit de penser, à savoir. Au pire, à la catastrophe. Voilà, c'est pour ça que vous êtes fatigué. Donc, pour Shanghai, j'aimerais bien avoir des témoignages vraiment. Est-ce qu'il se passe vraiment ce qui s'y passe? Parce qu'il y a peut-être d'autres possibilités. Une possibilité que le Parti communiste chinois, l'État profond chinois, tire une dernière salve, à savoir, prenne Shanghai comme la ville qui est un symbole pour eux, en otage.
et est agi comme ça pour contrer, pour aller à l'encontre Xi Jinping. Donc vous voyez, c'est une possibilité, ils tiennent la ville en otage et après ils obligent à des négociations. On ne sait pas, on ne sait pas. En tout cas, il se passe quelque chose qui n'est pas du tout dans l'esprit chinois, qui est un peuple qui est en réalité, qui a une économie, qui a conquis le monde par l'économie et qui ne va pas l'arrêter comme ça. Enfin, quand elle l'arrête, il y a quelque chose qui n'est pas compréhensible là. Il y a forcément une raison. Soit ils sont au courant que le virus est ce qu'il est et que c'est un plan occidental. Et actuellement, ils font monter les dommages de guerre, ils font monter les dommages pour pouvoir négocier très, très, très sévèrement. Soit, en effet, il y a une action au sein de la Chine entre deux pôles. Enfin, voilà, on verra. En tout cas, tout ça, ça fait baisser les vibrations. Ça amène un état de conscience très, très altéré. Et donc, il n'y a pas trop de solution que continuer notre apprentissage. Ça fait 2 ans qu'on apprend, on apprend, on apprend. Pour sauver de tout ça, il faut de la connaissance. Donc, à force d'apprendre, vous avez tous appris plein de choses, des choses bonnes, moins bonnes. Enfin, ça va faire tout ça, ça va faire un tissu, un coussin de savoir, un coussin de savoir.